c'est vrai que ça a été une aventure. Cet établissement, donc l'établissement d'un musée de France en terre de Saint-Claude, a été une aventure semblable à une odyssée, où l'eau fut souvent mauvaise à boire. Mais nous sommes arrivés à bon port, l'utopie est devenue concrète, et l'heure est venue non d'un bilan aujourd'hui, mais d'un point d'étape. D'emblée, je souhaite le dire, le musée a trouvé sa vitesse de croisière. Des ornements architecturaux, des habitations, de l'humain donc, mais gagnés, envahis souvent par le végétal, sauf lorsque vous regarderez bien sûr la cathédrale de Cologne, où là, effectivement, l'humain n'est pas visible et nous n'avons pas la trace, sauf en sachant bien sûr que c'est bien sa production. Mais vous verrez, c'est magnifique, il y a plusieurs thèmes dans la visite, enfin je ne vais pas anticiper sur ce que diront Valérie et Rémi Marlot. Je vais parler vidéo, je suis folle.